Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler que de Domino. C'est lui la vedette aujourd'hui, ben, il est à côté là, mais il voulait pas venir dans mes bras. Pas grave, il est à côté. Donc aujourd'hui, ben, je veux vous parler un peu de Domino. Qu'est-ce qu'il fait, comment il vit, comment il se comporte. Ouais, ça, vous l'avez déjà entendu, il la voit souvent. Ouais, mais c'est ça, c'est un petit chat, il a toujours été comme ça de toute façon. Donc, Domino, il a environ 14 ans, on ne sait pas exactement. Je l'ai adopté à la SPA de Bordeaux-Mérignac en septembre 2004. Voilà, donc ça fait un moment, ouais, ça fait presque 14 ans qu'on est ensemble. Et il avait le veto de la SPA, il a estimé qu'il a environ, allez, un an à peu près. Voilà, donc ben depuis, on est inséparables. En effet, l'un pour l'autre, c'était vraiment un coup de foudre pour moi et pour lui aussi. Il a mis environ 15 jours pour s'habituer à sa nouvelle maison, son nouveau environnement. Et depuis, vraiment, voilà. On a fait plein de choses ensemble. On a voyagé ensemble. On a travaillé ensemble. Voilà. Et maintenant, ben, on revoyage ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Domino? Voilà. Il est juste à côté, là. Hop. Bon, il se couche. Ok. Mais vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, il est toujours derrière moi quand je roule. Vous l'avez déjà vu, il avait déjà la tête qui tombe de temps en temps. Vous savez, c'est comme un gamin, hein, un gamin qui est hyper fatigué, mais qui ne veut pas lâcher parce qu'éventuellement, il pourrait se passer quelque chose de super intéressant, bien évidemment. Et Domino, c'est pareil. Toujours été, c'est un chien. Je ne suis pas sa maman, je suis sa maîtresse. Hein. C'est pas mon bébé, c'est un chien avec son caractère, et je fais bien la différence. Même si c'est un petit chien, oui, mais ça reste un chien et c'est pas mon bébé. Voilà. Après, vous, comme vous voulez, vous appelez-vous chien comme vous voulez. Alors là, franchement, chacun vit comme il veut. Mais pour moi, c'est un chien. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe avec Domino et qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Amusez-vous bien. Et voilà, Domino avec sa meilleure copine. Il me regarde quand même pour voir si je suis pas jalouse. Hein? Mais non, je suis pas Le jalouse. petit câlin du matin. Petit câlin du matin, ouais. Oh là là, il en profite quand même. Hein? Profiteur, va. Il cherche ses câlins partout, lui. Oui, au pire Ouais. tout. Mais j'ai le nez propre, hein, ça va, hein? Mais il croit pas, hein? Il croit pas. Ouais. C'est un chien très 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 câlin. Ah oui. Il a toujours été très câlin. Ouais. Dès que je l'ai adopté à la SPA, c'était quand? En fin 2004. Donc ça fait un bon bout de temps là qu'on est Ouais. ensemble. T'en as pas marre d'elle? Et moi, tu me demandes pas si j'en ai pas marre Moi, de lui. non. Et a toujours été très câlin. Lui grogne et moi je dis bonjour avec un sourire. Ouais. Il dit au revoir, il dit au revoir, coucou, On est allé à la... Il y a ses gamelles. Donc, pâté, oui, tout le matin. Tout le matin, son pâté, sa gamelle avec de l'eau, sa babale que je retrouvais il n'y a pas longtemps. Là, voilà, il est content, il a retrouvé sa babale. Et des croquettes à volonté toute la journée. Il a une habitude, Domino, et ça, il l'avait toujours. Quand il mange des croquettes, ben, il prend des croquettes, il prend la gueule pleine des croquettes, et ensuite, elle va un peu plus loin, il va un peu plus loin, à côté, sur le tapis, manger les croquettes. Et ça, il a toujours fait, même autrefois. Ses gamelles, elles étaient dans la cuisine, donc il est allé à la gamelle, il a pris la gueule pleine de croquettes et il est parti au salon pour manger sur le tapis. Voilà, et c'est pour ça que j'étais toujours en train de nettoyer mon tapis parce qu'elle avait toujours des taches. Mais bon, ben ça c'est Domino. Voilà. Voilà.
là, Domino, à table. Ça te va, c'est bon, petit chien. Ouais. Alors, Domino, il n'est pas compliqué du tout. Il lui faut pas des trucs hyper chers, des styles, je sais pas, César le plus cher qui existe. Lui, c'est les plus basiques, les barquettes les plus basiques, la marque du magasin, ça lui plaît le mieux. Voilà, il adore, il est content avec ça. Donc, derrière lui, caché, c'est sa baballe qu'on a retrouvée. Il est super content, comme ça, il peut jouer. Voilà, c'est bon, ton ventre est plein pour ce matin. Eh bien, c'est bien. Voilà. Et voilà, après manger. Oh, gratte. Tu fais un trou un des séjours, hein? Voilà, mais il fait ça chaque fois après manger. Hein? Ouais. C'était bon? Remets ton oreille en place. Voilà. Bien. Et voilà Domino qui a trouvé un petit copain. Sa maîtresse. Tu trembles de me mettre froid. Oui, allez, je te rechauffe. Ouais. J'ai trouvé un truc l'autre jour sur Pinterest, bien évidemment. Pourquoi un chien tremble? Et puis les petits chiens comme Domino, qui sont âgés et qui n'ont pas beaucoup de poils, ils tremblent vraiment du froid. Donc il a vraiment froid et c'est pas une bêtise de lui mettre un manteau en hiver quand il fait froid. Parce qu'il a vraiment froid. Alors, il s'endorme sous la couette, collé contre mon ventre. À un moment donné, la nuit, il sort, parce qu'apparemment, certainement, il a trop chaud. Et le matin, au réveil, il revient sous la couette, se réchauffer sous la couette avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu vois là? Il y a des vaches? Non, il n'y a pas des vaches. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas vu les vaches. Hein?
Voilà. Domino en repos sur son coussin. Domino, ça c'est ta place préférée, n'est-ce pas? Ouais. Comme ça, tu peux tout voir. Ouais. Tout observer et puis voilà, grogner sur les gens aussi. Ton occupation préférée. Oh, rien à faire. Laisse-les tranquilles, ces gens, Domino, ils t'ont rien fait. Ouais. Voilà. Bien. Tu es bien là. T'as une belle vue. Regarde-moi ça comme c'est beau. Domino. Bien là. Bien là, mon petit chien. Ouais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avec Domino. Ouais. C'est lui la vedette, là, aujourd'hui. Hein. C'était lui la vedette. Hein. Il est content parce qu'il est avec moi. Mais il n'est pas content parce qu'il pleut. Voilà. Oh, non, non, non. Grogne pas. Il n'y a aucun danger. Voilà. On fait quoi? On dit au revoir? Allez. Au revoir. À bientôt, mes amis.